Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu as froid? On doit sortir aujourd'hui. On va avoir un rituel à mener, toi et moi. Regarde. Tu vas mettre ça. Ça appartenait à ma fille. Bon. Aujourd'hui, je vais prononcer ton nom, fillette. Mais est-ce que la déesse va me répondre? Normalement, c'est ta mère qui devrait être à ma place, si tu en avais une. Et tout le village serait là, pour voir les matriarches faire le rituel. Mais nous, on est des parias. Et malgré tout, on va quand même suivre la coutume. Parce qu'autrement, on pourrait avoir à subir le même sort que les anciens, ceux qui ont tourné le dos à la déesse. Ceux que leur parjure a plongé dans l'abîme. À nous, il nous reste toutes les splendeurs de ce monde. Créatures d'air, d'eau, de terre et de métal. Ce n'est pas facile de chasser un animal, et encore moins de chasser une machine. Il faut rester humble et respecter leur très grande force. Je t'enseignerai tout ça, un jour. La haute matriarche Tirsa, qu'est-ce qu'elle est venue faire là? Est-ce qu'elle est venue empêcher le rituel? Non, 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 relève-toi vite, il est déjà presque l'heure. Et bien sûr, tu peux m'adresser la parole. Vous êtes là pour bénir le baptême? Est-ce que ça ne fait pas déjà 6 mois que nous t'avons confié l'enfant? Mais on est des parias. Toi par choix, et elle, eh bien... Je suis une haute matriarche Rost et je bénirai qui bon me semble. C'est un grand honneur. Oui, je sais. Allez, va. Prépare-toi au rituel. Va. Toute mère, il faut à cet enfant un nom que vous lui reconnaissiez. Que votre amour réchauffe son existence comme le soleil levant réchauffe la surface de la terre. Prononce son nom! Aloy! Que son nom soit béni entre tous! Arrêtez ça, tout de suite! Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai simplement béni le nom d'une enfant. Stupide vieille femme, tu parles de cette malédiction? Qu'est-ce qu'elle t'a révélé à propos de sa naissance, Paria? Allez, parle! Je me suis contenté de suivre vos ordres. On t'a demandé de l'élever, mais on n'a jamais parlé d'affection. Ça suffit. Et toi, bénir son nom comme si c'était une... Je connais mon devoir envers elle. Et envers toi. Même nous en avoir parlé. Mais je suis là. Et où que tu choisisses d'aller, je viendrai avec toi. Tu savais parfaitement bien ce que...
Yo, salut tout le monde, c'est Benjamin103O et on se retrouve pour ce tout premier épisode du Let's Play après le petit prologue. Hein. Donc, sans tarder, on va lancer le jeu. Alors, allez, ça fait depuis un moment que j'ai pas fait un jeu en mode facile, donc c'est parti. Tu es vraiment un cueilleur de talent, tu sais, Bast. Pourquoi tu n'irais pas voir si tu en trouves d'autres? Bravo, tu t'en sors très bien. Oh. Les enfants, venez avec moi. Cet enfant est une paria. Vous devez l'ignorer. Voilà. Chut. Oh, ne t'approche pas. Allez. Et donc c'est parti, voilà, c'est la première fois qu'on joue Aloy. Alors déjà, on voit qu'elle est rejetée complètement de la société. Hein. Ça a l'air étroit, mais je peux passer. C'est sûrement un vestige de l'âge de métal, l'une des zones interdites. Alors franchement, le style de caméra, j'aime pas trop. Je préfère mieux que le personnage soit à gauche et que la caméra soit à droite. Y a pas moyen de le changer, ça? Commande, non. Audio, non, c'est pas ça. Visuel, non. Bon, d'accord, tant pis. On va continuer comme ça, puis on va voir si j'arrive à m'adapter. Alors je préviens juste au cas où, hein, les vidéos là de Let's Play avec la caméra activée mettent plus de temps à télécharger. Donc peut-être, je dis bien peut-être, que mes prochaines vidéos de Let's Play, vous n'entendrez que ma voix, mais vous ne me verrez pas. Donc après, tout dépendra si c'est vraiment long à télécharger. Je vois quelque chose là-bas. C'est quoi? Un cadavre, il y a quelque chose qui brille par là. Ah, on dirait que c'est la fameuse oreillette, ou je ne sais quoi. Alors c'est marrant parce que le jeu en fait se passe au-delà de 2050, un truc comme ça. Mais ils sont quand même retournés à l'âge de pierre. C'est bizarre quand même. Le jeu est vraiment stylé mais c'est un concept assez bizarre, on n'a jamais vu ça.
tout. Un appareil aussi petit. Alors, R3, activer, désactiver le focus. Ah, ça sert à scanner. Une porte de métal. Elle est fermée. Peut-être que je peux trouver une sortie avec ça. Mais comment ça s'ouvre? Ouais, c'est vrai ça. Comment ça s'ouvre? C'est quoi ce bordel? Une forme. On dirait qu'elle est reliée à la porte. On voit même les câbles reliés. Ah, c'est pas mal. Alors aussi, j'avais dit dans le petit prologue que mes vidéos feraient entre 50 et 1 heure. Alors là, vu que c'est la première vidéo, elle va peut-être être un peu en dessous. Mais les prochaines vidéos, vous inquiétez pas, hein, ça sera vraiment entre 50 et 1 heure. Ça a changé de couleur. La porte a changé de couleur. Ça a marché. Ouais, c'est qu'à chaque fois qu'on bouge, en fait, la caméra, ça change. Ça fait un peu comme à la Resident Evil. Vous avez soit la caméra à gauche, soit à droite. Et moi, je préfère mieux quand c'est à droite. Il a un Tu crois que c'est ce que je voulais? Je ne peux pas faire mieux que ça. Il est derrière toi. Qui est derrière moi? Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Écoute, papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui, mais ça va pas nous empêcher de faire la fête, hein? Fais-moi voir. Fais-moi encore voir. Il est derrière toi. Coucou. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon de son papa aime à la folie. Écoute, papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui, mais ça va pas nous empêcher de faire la fête, hein? Bien sûr que non. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Qu'est-ce qui les a tués? Qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que Horizon va vraiment marcher comme Guerilla l'a souhaité. Parce qu'en attendant, ils vont faire le nouveau Killzone. Et si à la sortie du nouveau Killzone, ils voient qu'Horizon a vraiment bien marché, ils vont faire une suite. Et j'espère qu'ils vont faire une suite pour Horizon. Louis, sois là tout de même. Allez, viens, attrape-moi la main. Tu n'as rien à faire là en bas. Allez. On n'est pas autorisé à être là, Aloy. Mais je suis tombée. Ça remonte à l'âge de métal. Qu'est-ce que c'est sur ta tête? Rien du tout. Où l'as-tu trouvé? En bas? Non. Donne-le-moi. Non. Aloy! Ces objets peuvent être dangereux. Non! Très bien. Puisque tu as l'air décidé à vouloir te promener, tu vas devoir apprendre les techniques de survie. Allez, suis-moi. On rentre. À partir de demain, je vais t'apprendre à chasser.
marque. Et arrête de parler avec ce machin-là. On descend dans la vallée maintenant. Allez, viens. Les terres sauvages sont dangereuses, Aloy. Je veux que tu restes près de moi et que tu suives mes consignes. Je sais. Bon, comme tu as encore des égratignures après ta chute d'hier, commençons par là. Prends ce sac de soins. Je vais te montrer comment le remplir. Tu vois cette plante? Ah, la forêt. C'est une plume-tille. Je préfère mieux la forêt. Fais-en les baies et mets-les dans ton sac. Bien. Maintenant, mange-les. C'est vrai qu'elles sont amères, mais elles peuvent te sauver la vie. Alors d'un côté, ça fait l'environnement, ça fait quand même penser à Far Cry Primal. Dans tout ça. Où est-ce qu'on est? Cette vallée n'est qu'une partie de l'étreinte de la Toute-Mer. L'étreinte? La tribu des Nora veille sur ces terres et empêche les machines les plus dangereuses d'y entrer, normalement. Ça serait que moi, là, tout de suite, j'aurais envie d'affronter un T-Rex, mais bon, je peux pas. Plus bas, en suivant la rivière, se trouve un troupeau de machines. Je vais t'apprendre à chasser. Est-ce qu'elles sont dangereuses? Toutes les machines sont dangereuses, Aloy. Nous devons respecter leur pouvoir, mais je serai à tes côtés. Quel pouvoir? C'est des machines. Elles ont pas de pouvoir. Aloy, voilà une machine. Accroupis-toi et suis-moi dans les hautes herbes. Je sais pas où il la voit, sa machine. Ah si, là. Là. Ne te montre pas. Les bébés. Non, Aloy. Ces machines sont des veilleurs. Tu dois faire en sorte qu'ils ne te voient pas. Si tu veux survivre dans les terres sauvages, je vais te montrer. Écoute bien et fais comme moi. Ne bouge pas. Attends qu'elle passe. Alors ça, à mon avis, c'est la machine qui représente le raptor. Et suis-moi de l'autre côté du sentier, dans les hautes herbes. Oh, un autre. Attends qu'il passe. Ah, tu lui sautes dessus. Plus tu vas lentement, moins tu fais de bruit. Ouais, franchement, le jeu, alors, il est beau. Hein. S'accroupit plutôt que debout. Entre Horizon et Mass Effect, là, je vais vraiment m'amuser. C'était le dernier. Continue. Tu as réussi. Un vrai fantôme. Reste près de moi. On approche du troupeau. Wow. C'est un malade, lui. C'est qui? Peu importe. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Regarde, il nous sourit. Thèbe, retourne à ta place. Thèbe, où tu es? Ignore-le. On est des parias, et il est de la tribu. Peut-être qu'il n'aime pas la tribu. Il serait bien bête. Des parias. Bon, allons trouver ce troupeau. Suis-moi. Alors l'eau, on voit qu'elle est bien là, faite. Tu les vois? On dirait du lait. Des galopeurs. Une rivière de lait. Ah, rouge! Pourquoi tu les fais fuir? Ah! Pour te montrer que certaines machines sont heureuses et des grands ciels de relève.
Il faut s'approcher doucement. Ne t'inquiète pas. On les rattrapera plus bas dans la vallée. Tu verras. Tu verras, tu verras. Toulouloulouloulou. Maintenant, je veux que tu trouves des pierres qui tiennent dans la paume de ta main. Pourquoi ? Fais ce que je te dis, Aloy. Et va chercher des pierres. Des pierres. Je vais t'apprendre à t'en servir. Ça ressemble de plus en plus à Far Cry Primal. Lancer des pierres pour distraire. Bah, tu crois qu'il m'attendrait, l'autre ? Même pas. Il se barre sans moi. Voilà le troupeau. Ok, on va lancer nos pierres. Mais une pierre, ça va rien leur faire, si ? Non, mais ça peut les distraire. Ou même les piéger. Comme ce veilleur. Comment une pierre peut les piéger ? Reste là. Il préviendra le troupeau et ils prendront la fuite avant qu'on approche. Les prévenir ? Mais comment ? Les machines communiquent entre elles, Aloy. On doit les en empêcher. Reste sur cette saillie. À mon signal, lance des pierres et attire le veilleur sur moi. Attends mon signal. Mince, je l'ai lancé trop loin. Ah bah d'accord, faut maintenir. Aloy, lance une pierre vers moi. Direct. Voilà. Bien, il n'y a plus de danger. Ah, je pense que je vais être vachement bourrin dans ce jeu, moi. On va me chercher des branches de canne de rivage là-bas. Les jeux de discrétion, bon, j'aime bien, mais c'est pas bon, mon style de jeu préféré. Et les éclats de métal, la pointe. Alors, ok, donc ça, c'est pour confectionner. Pour fabriquer. Bien. D'accord. Tu ne te trouveras jamais à court de flèches si tu sais en fabriquer. Allons essayer ces flèches. Suis-moi. Lol. On dirait qu'il est tout nu sous ses vêtements. Enfin, c'est le cas en plus. Hein. Parfois, je me demande si je suis conscient de ce que je dis. Là, reste accroupi dans l'herbe et pas un bruit. Des galopeurs. On dirait des chevaux. Il est temps d'abattre ta première proie, Aloy. Ah, un galopeur. Une des machines les plus faibles. Mais même une machine faible peut tuer un chasseur s'il ne fait pas attention. Tu dois étudier ta proie. Son pelage est épais, mais elle est vulnérable par endroits. Comme son œil. Tu en vois d'autres. Ah, et bah le truc qu'il a sur le dos. La bombane sur son dos. C'est un point faible ? C'est ça. Comment tu as su ? Cet appareil. Il me l'a montré. Ce jouet ? Ça m'étonnerait. Bon, allez, sois sérieuse. Et abat ce galopeur. Vise son œil. Ou la bonbonne sur son dos. Et tiens-toi prête à dégager s'il se met à charger. Ok. Encore ! Ah ouais, sacré dégâts. Tu t'es bien débrouillé. Mais tu as encore beaucoup à apprendre. Rentrons à la maison, on reprendra demain. C'était quoi ? Le garçon. Celui qui courait sur le sentier. Suis-moi, Aloy, vite ! Ah, il a des ennuis. C'est lui qui a crié. Toto. Allez, cours plus vite.
machines ne vont pas tarder à s'apercevoir de sa présence et à le charger en troupeau. Et si jamais je tire, ça pourrait les faire paniquer et elles finiraient par le piétiner. Oh. Mais j'arrive à voir le chemin qu'elles vont prendre. Arrête de dire n'importe quoi. C'est pas le cas. Je sais que je peux me faufiler. Je te l'interdis. Ah, les gamins, toujours obligés de désobéir. Ok, donc là, faut pas que je bouge. Il faut que j'avance lentement sans faire de bruit. Ah, il s'arrête. Bon, vas-y, c'est bon, je peux passer. Faut pas qu'elle me repère. Y a personne. Oh non, c'est pas bon. Et voilà. Première mort du jeu. Bon, ben voilà, on va s'arrêter là. Non, je rigole. Je dois me déplacer lentement et en silence pour ne pas me faire repérer. Faut que je fasse gaffe. En fait, faut pas que je cours. C'est ça le truc. Il faut que je voie leur trajectoire. Ah, la rivière, c'est bon. J'y suis presque. Quoi? D'où il me voit, lui? D'où il me voit? Non! Va-t'en! Non, tu me vois pas. Tu peux pas me voir. Oh non. Le veilleur m'a entendu. Oh, je vais encore crever. Bon, on va passer la mort. Ouais, en fait, c'est pas tellement évident. Bon, la rivière, là, normalement, il devait pas me voir. Je dois me déplacer lentement et en silence pour ne pas me faire repérer. Faut pas qu'elle me repère. Je dois être prudente. Voilà. Et oh ben il est juste là, donc c'est bon. Il faut que je voie leur trajectoire. Hé, allez. Hein? Mais comment? Chut. Suis-moi, te lève pas. Comment tu fais pour les éviter? Voilà. Waouh, mais comment tu fais ça? Même sans l'appareil, ça serait facile d'éviter. Il me suit l'autre là? Ah ouais, il est derrière. Allez, go. On est les forces spéciales. Ce n'est pas un jouet.
Attendez. Que la toute mère vous bénisse. Tous les deux. Elle m'a sauvé. Je veux seulement... Stop! Ne dis plus rien. Ce sont tous les deux des parias. Et celle-ci, elle n'a même pas de mère. Demi-tour. Au cœur de la mer. Et toi, tiens. Ce garçon n'aurait jamais dû nous parler. Il a transgressé la loi. On rentre à la maison. Suis-moi. Je connais le chemin. Stop, ne dis plus rien. 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 T'as rien à faire ici, la sans-mère. Ou j'en connais un qui va s'en prendre le retour. Non? Ah si! Le fameux changement de dialogue. Visez la pierre qu'il a dans la main. Aïe! Hey! Allez les enfants, ne restez pas là. Retournez cueillir des bêtes. Ah, tu saignes? Attends que je regarde. Bon, je m'en occupe. Bouge pas. Pourquoi? Chut. Mais pourquoi est-ce que je suis une paria? Aloy, c'est vraiment pas le moment. Je veux savoir qui était ma mère. Aloy, on en a déjà parlé. Je n'ai pas cette information. Tu venais tout juste de naître quand les matriarches t'ont confié à moi. Donc les matriarches, elles savent? Oh, c'est bien plus compliqué que ça. Elles le savent alors? Aloy, toi et moi, on est des parias. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elles me le disent? Les matriarches, je ne sais pas, mais j'ai peut-être une idée. Bah allez, dis-moi! Ça pourrait te coûter comment la vie. Il faudra t'entraîner pendant des années. Ça m'est bien égal! Comment est-ce que je dois faire? Explique-moi! Le rite de passage, l'éclosion que la tribu pratique chaque année. Ceux qui surmontent l'épreuve deviennent des braves. Quant à celui qui l'emporte, les matriarches lui accordent une obole. Une obole? C'est ça, quelle que soit la demande formulée. Alors je vais le faire. Je donnerai tout ce que j'ai. Et je gagnerai l'éclosion. Évidemment. Il va falloir qu'on s'y mette au plus vite. L'entraînement sera éprouvant. Et il faudra y consacrer des années. On s'y met alors ? Allez, dépêche-toi !
est-ce qu'il est? On est à 2 jours de l'éclosion et il disparaît? Non, il ferait pas ça. Ok. Donc c'est parti pour la phase adulte. Donc là, on va vraiment bien s'amuser. Il m'avait dit qu'on irait chasser. Pourquoi il est pas là? Où est-ce qu'il est passé? Ah, il est là-bas. Qu'est-ce qu'il fabrique? On dirait qu'il attend. J'y comprends rien. Fais pas de conneries, Rost. Saute pas dans le vide. Aloy, tu es là. Tu veux que je te laisse? Non. Je dois te parler. J'ai réfléchi à ton entraînement, Aloy. Je t'ai appris à chasser, à survivre. Mais il y a quelque chose que j'ai omis de t'enseigner. Veux-tu l'apprendre? Bien sûr. Tout ce que tu m'enseignes est important. Il y a eu des incidents. C'est l'occasion idéale pour cette dernière leçon, mais ce sera dangereux. Il faut que tu sois préparé, ou tu mourras. Va chasser dans l'étreinte et récupère les pièces nécessaires à des flèches de feu. Des flèches de feu? Mais de quel genre d'incident on parle? Quand tu auras tout trouvé, retrouve-moi là-bas, la porte près du village du cœur de la mer. La porte nord? À la frontière de l'étreinte? Oui, c'est ça. Allez, allez, ne traîne pas. Y a autre chose qui te tracasse? Non, tout va bien. Tu t'inquiètes de ce qui va se passer après l'éclosion? Je sais ce qui va se passer. Tu seras accepté comme membre de la tribu et je resterai un paria, un invisible. Rost, même si la tribu m'accepte, je... Nous avons du travail, Aloy. Nous parlerons de ça plus tard. D'accord. Il y a autre chose que tu veux que je fasse dans l'étreinte? Oh. Grata la fêlée ne doit plus avoir à manger. Tu pourrais lui chasser un peu de viande, si tu as le temps. Ce qui serait bien, c'est qu'elle dise merci pour une fois. Oh, Grata suit le règlement. Son silence envers nous est normal. Ne le prends pas mal. Puisque tu le dis. Je vais chercher les pièces, mais j'en profiterai pour dire bonjour à Karst. Aloy, cet homme enfreint le règlement à chaque fois qu'il te parle. Et je l'en remercie. J'aurais besoin d'acheter un lance-câble et c'est le seul à traiter avec les parias. Fais-le plein de munitions alors. Cette arme te sera utile ce soir. C'est assez inquiétant. Très bien, on se voit à la porte nord. Donc, on va commencer par les points de compétence, parce que je vois que je suis déjà niveau 3. Oh, alors ça c'est la carte. D'accord. Donc elle a l'air assez grande. Donc les compétences et compétences. Attaque silencieuse. Survivante. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Cueilleuse. Donc on va prendre ça. Et on va prendre ça aussi. Utilise dans le menu. Ah, pour attirer les ennemis. Ouais, donc ça peut être très utile. Et en dessous, c'est quoi? Ouais, de toute façon, j'ai pas assez de points de compétence. Et ça, apparemment, on l'a pas débloqué. Il y a quelque chose qui le tracasse. Donc, pour ce premier épisode, c'est terminé, les amis. Et on va continuer pour un prochain épisode.